Élus par leur père le 29 septembre dernier, ils sont 10 juges consulaires titulaires et 6 suppléants issus du Collège des opérateurs économiques. Leur serment est synonyme d'adhésion aux valeurs qu'ils vont désormais défendre avec à l'esprit une solidarité corporative sans faille et le respect du secret des délibérations, même en cas des arbitrages chahutés. Votre mission, noble, exaltante, est exigeante. Et vous êtes donc appelé à participer aux côtés des juges professionnels au traitement et au rendu des décisions de justice qui vous engagent tous. Cette solidarité ne souffre d'aucune exception. Une mission figée sur du marbre, il n'en saurait être autrement car les juges consulaires sont des professionnels du milieu des affaires. Ils doivent faire valoir leur expertise dans le règlement des litiges portés devant le tribunal du commerce. Les juges consulaires sont d'abord élus sur la base de l'expérience. Ils viennent aider à ce que les juges professionnels puissent rendre une justice beaucoup plus équitable et proche des réalités. D'après les autorités, le Gabon s'aligne sur les normes internationales et garantit la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs. Ce qui contribuera à l'amélioration du climat des affaires, à une meilleure justice commerciale et potentiellement à une évolution de la position du Gabon dans le classement Doing Business.